silence. Ça tourne. Action. Je suis Camilo Hernández, je suis un senior chercheur en instrumentation. Je travaille sur l'intégration de nouveaux matériaux avec des propriétés remarquables dans de nouveaux capteurs. C'est bon pour vous ? Ouais. En action. En fait, je m'intéresse à l'évolution de ces propriétés en fonction des différentes conditions environnementales. Ensuite, j'essaie de trouver un moyen de transduction approprié pour pouvoir exploiter justement ces propriétés et ainsi réaliser un capteur. Mais j'ai oublié, attendez. Mon travail consiste également à dessiner, à concevoir un circuit électronique ou optique pour exploiter les caractéristiques de ces matériaux et ensuite faire un capteur avec. Très bien, super. Je travaille avec cette poudre qui a été développée par des chercheurs au laboratoire il y a quelques années. Cette poudre a la caractéristique de chauffer sous la présence d'hydrogène. Mon travail consiste à trouver un moyen répétable et surtout fiable de déposer cette poudre sur un système sensible à la température pour ensuite déduire la concentration d'hydrogène présente dans l'air. L'hydrogène est très utilisé actuellement dans les systèmes de stockage et production d'énergie. Les seuls inconvénients avec l'hydrogène, ce sont autres risques d'explosivité. D'où l'importance d'un développement de nouveaux capteurs fiables, rapides et pas chers pour garantir la sécurité des utilisateurs de ce type de système. Avec ce capteur, on espère pouvoir répondre à cette demande. J'aime bien ce métier parce qu'il me donne la possibilité de travailler dans des projets intéressants et innovants qui peuvent avoir des répercussions sur le bien-être des autres. En plus, comme je suis colombien, faire de la recherche en France me permet de retrouver des gens sympas dans une ambiance multiculturelle. Ciao. Ok, quand tu veux. Ok. Camilo Hernández, chercheur en instrumentation. Okay. Avec les bras comme ça.